On vous avait parlé de cette cause en 2017, au mois d'août pour être plus précise. Jean-François Rancourt a été accusé d'agression sexuelle sur une quinzaine de patientes. Il a écopé de 2 ans d'emprisonnement, en plus d'être radié par le Collège des médecins pour une période de 5 ans. De son côté, il s'était engagé à la Cour criminelle à ne plus pratiquer. Ce procès a été hautement médiatisé et ça a convaincu d'autres patientes à dénoncer le comportement de cet ex-médecin. On parle de nombreux gestes abusifs à caractère sexuel pendant des examens. Et ces plaintes ont été prises au sérieux. Le Collège des médecins a revu sa décision. Jean-François Rancourt est désormais radié à vie de la profession, donc chassé complètement. Il ne pourra plus pratiquer. En plus de ça, il se voit aussi imposer des amendes totalisant 35 000 $. Cette décision du Conseil de discipline du Collège des médecins a été rendue le 25 juillet dernier. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec.